Voici dans ta présence pour t'offrir nos cœurs comme un sacrifice agréable, saint, de bonne odeur devant le trône de ta majesté. Père, me voici dans ta présence, t'offrir un chant de louange. Devant ta face, toutes mes craintes s'effacent. Mon cœur à genoux déverse mes insuffisances. Je viens, Seigneur, pour céder mon cœur. Je viens. Je viens décider à te chercher jusqu'à te trouver. Te trouver. Ce désir. Oui, c'est mon désir. Est de te servir. De te servir. De nourrir de ta loi. Shalom, shalom, shalom. Shalom, shalom, famille TPS ce matin. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fasse encore du bien ce matin. Soyez bénis, soyez restaurés ce matin, soyez visités. Que le Seigneur vous fasse du bien ce matin. Alléluia. Alors, s'il vous plaît, merci de partager la vidéo. Partagez la vidéo à une personne, partagez dans les groupes, partagez. Sur internet, partagez, bien aimé, invitez quelqu'un à se connecter ce matin. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fasse du bien. Sois béni, toi qui es en train de partager, sois béni, toi qui as déjà partagé avec une personne, sois béni, toi qui as déjà aimé la vidéo ce matin. Que le Seigneur vous bénisse, gloire à Dieu. Alors ce matin, nous voulons dire bonjour au Saint-Esprit et nous disons aussi shalom à la personne qui est connectée à côté de nous, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je vais prier le Seigneur
et nous allons commencer notre session de ce matin. Gloire à Dieu. Alors, s'il vous plaît, vraiment, dites shalom à la personne qui est à côté de vous et reconnaissez surtout, avant toute chose, reconnaissez la présence du Saint-Esprit. Dites bonjour au Saint-Esprit ce matin. Reconnaissez sa présence à côté de vous. Reconnaissez sa présence en vous. Reconnaissez sa grâce dans vos vies. Alléluia. Reconnaissons tous ensemble sa présence au milieu de nous. Car sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons absolument rien faire. Gloire à Dieu. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. J'espère que le son est bon et j'espère que la connexion passe. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors je vais prier le Seigneur et nous allons commencer notre session de ce matin. Alléluia. Tendre Père de gloire, notre Père fidèle, le Roi, le Maître, le Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci ce matin pour la grâce que tu nous accordes encore d'être dans ta présence. Merci ce matin, ô Dieu, pour la faveur que tu nous accordes d'être en vie, Seigneur. Nous reconnaissons encore ce matin que c'est toi qui nous as donné le souffle de vie. Nous reconnaissons encore ce matin que c'est toi qui nous as protégés, gardés, alors que nous étions en train de dormir et que nous nous sommes oubliés. Excusez-moi, et que nous nous sommes oubliés en dormant, Seigneur. Mais c'est toi qui as permis que nous puissions nous réveiller ce matin. Nous te disons merci. Reçois la gloire, reçois la louange, reçois la magnificence ce matin. Merci pour le souffle de vie, merci pour ton amour, merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité. Car ce matin, Seigneur, nous voulons encore proclamer, Seigneur, ô Dieu de gloire, ta miséricorde. Nous voulons proclamer ta miséricorde ce matin. Car c'est ta miséricorde qui a renouvelé en nous le souffle de vie. Car c'est ta bonté qui a renouvelé en nous, Seigneur, ô Dieu, la faveur. Car c'est ta bonté, ta compassion qui a renouvelé en nous, Seigneur, la santé. Alors nous te disons merci. Reçois la gloire et la louange. Nous venons encore te confier ce temps de prière entre tes mains. Assiste-nous par le Saint-Esprit. Assiste-nous, Seigneur, ô Dieu de gloire, et que tes anges soient envoyés dans cette session de prière afin de célébrer avec nous ton grand et glorieux nom. Nous te disons merci, Seigneur. Reçois la gloire. Prends le contrôle de ce temps de prière. Fais-nous encore du bien ce matin et que ta grâce, ô Père éternel, nous environne encore ce matin. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Bien-aimés, ce matin, nous voulons prier pour un sujet très important. Amen. Alors que nous sommes dans le mois des exploits, notre thème de ce matin, c'est « Change mes lamentations en rire ». Alléluia. Change mes lamentations en rire. Ce matin, que le Seigneur puisse changer tes lamentations en rire. Ce matin, que le Seigneur puisse changer tes lamentations, tes pleurs, tes douleurs en rire. Qu'il puisse changer tes lamentations en joie. Qu'il puisse changer tes lamentations en témoignage. Qu'il puisse changer tes lamentations en cris de joie. Qu'il change ce matin tes lamentations en rire. En cette merveilleuse journée, que le Saint-Esprit change tes lamentations en rire. Gloire à Dieu. Nous allons lire la parole de Dieu dans Ecclésiaste chapitre 3, à partir du verset 1, et nous allons sauter, mais c'est le verset 4 qui nous intéresse. Voilà. Il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux. Alors nous sautons directement au verset 4. Un temps pour pleurer et un temps pour rire. Un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Bien-aimé, ce matin, j'aimerais dire à une personne ce matin qu'il y a un temps pour toute chose. L'Ecclésiaste dit qu'il y a un temps pour tout. C'est-à-dire que ce que tu es en train de vivre dans ta vie a une date de fin. La situation que tu es en train de vivre dans ta vie a une date de fin. Alléluia. De la même manière qu'il y a des saisons sur la terre. Exemple, pour nous qui sommes en Europe, nous avons 4 saisons. Nous avons le printemps, nous avons l'automne, l'été, nous avons l'automne et nous avons aussi l'hiver, alléluia. Bon, si je le prends en ordre, je peux commencer par l'hiver, voilà. L'hiver, le printemps,
l'été et l'automne. Alléluia. Il y a une saison. Il y a des saisons en toutes choses. Et de la même manière, là où tu te trouves, ce matin, nous sommes le matin, bientôt le soleil va sortir. Donc, il y a la nuit et il y a la journée. Il y a la nuit et il y a le jour. Il y a le soleil et il y a la lune. Il y a un temps pour toutes choses. Un temps pour la nuit, mais un temps aussi pour le jour. Un temps pour le soleil, un temps pour la lune. Alléluia. Un temps pour la pluie, un temps pour le soleil, un temps pour moissonner, un temps pour cultiver. Il y a un temps pour tout. Et la Bible est en train de te dire ce matin qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour toute chose sous les cieux. C'est-à-dire qu'il y a un temps pour toute chose sur la terre. Alors, j'aimerais juste t'exhorter ce matin à ne pas imprégner dans ton esprit ou dans ton âme que ta situation ne va pas changer. J'aimerais juste t'encourager ce matin à te dire que ne pense pas que ta situation ne va pas changer parce que toute chose a une fin, toute chose a une saison. Si aujourd'hui tu es en train de te lamenter, Dieu va te faire rire demain. Si aujourd'hui tu es en train de pleurer, Dieu va te faire rire demain. Si aujourd'hui tu es en train de souffrir, Dieu va te donner le bonheur demain. Il y a un temps pour toute chose. La souffrance n'est pas éternelle dans ta vie. Les douleurs ne sont pas éternelles dans ta vie. La maladie n'est pas éternelle. Ce n'est pas quelque chose d'éternel. C'est quelque chose de saisonnier qui va finir par passer dans le nom de Jésus. Alléluia. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Ce matin, tu dois savoir qu'il y a un temps pour tout et que Dieu va changer tes lamentations en rire. Il y a un temps pour se lamenter. Il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps pour tomber. Mais même Dieu dit ceci, que mon juste tombera sept fois. Et cette fois, je vais le relever. Quand tu tombes, il te relève. Quand tu pleures, il vient essuyer tes larmes. Alléluia. Quand tu es dans la saison de manque, dans la saison de sécheresse, il vient faire pleuvoir la pluie pour te ramener la fertilité. Il est le Dieu des saisons. Il est le Dieu qui ne veut pas que ses enfants puissent passer tout leur temps à pleurer. Il est le Dieu qui ne veut pas que ses enfants puissent passer tout leur temps à se lamenter, tout leur temps à souffrir. Non, il dit, il y a un temps pour toute chose. Et je crois que cette parole de Salomon, c'est Dieu qui lui a mis cela dans la bouche. Parce que la sagesse de Salomon venait du Saint-Esprit. La sagesse de Salomon venait de l'Esprit. Un temps pour pleurer et un temps pour rire. Alléluia. Un temps pour pleurer et un temps pour rire. Et je prie ce matin que le Saint-Esprit mette le rire dans ta bouche au nom de Jésus. Je prie maintenant que le Saint-Esprit puisse essuyer tes larmes et que tes larmes qui sont des larmes de tristesse, tes larmes qui sont des larmes de douleur, tes larmes qui sont des larmes de ras-le-bol, tes larmes qui sont des larmes des larmes de souffrance, deviennent maintenant des larmes de joie. Que ces larmes puissent devenir des larmes de louange, des larmes d'allégresse, des larmes de rire dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, que cette bouche qui est en train de se lamenter, ta bouche qui est en train de se lamenter, puisse devenir une bouche qui sera remplie de la louange de Dieu. Que Dieu puisse remplir ta bouche de la louange. Comme il le dit dans le livre d'Ésaïe, je remplirai ta bouche de ma louange. Je remplirai ta bouche de ma louange. Que ta bouche soit remplie de la louange de Dieu dans le nom de Jésus. Alors j'aimerais te dire ce matin, tout simplement, qu'il y a une saison pour toute chose. Il y a un temps pour toute chose. C'est pour cela, dis à ta situation, ton temps est terminé. Dis à ton problème, ta saison est terminée. Il y a un temps pour toute chose. Il est temps pour moi de rentrer dans une nouvelle saison. Il est temps pour moi de rentrer dans la saison de la guérison. Il est temps pour moi de rentrer dans la saison de la grâce. Il est temps pour moi de rentrer dans la saison de la faveur. Il est temps pour moi de rentrer dans la saison de la percée, dans le nom de Jésus. Un temps pour pleurer et un temps pour rire. Un temps pour se lamenter et un temps pour danser.
C'est pour cela que tes lamentations vont s'arrêter dans le nom de Jésus. Tes lamentations vont prendre fin à partir d'aujourd'hui au nom puissant de Jésus. Tu n'es pas appelé à demeurer dans la venue des lamentations. Tu n'es pas né pour t'asseoir dans la maison des lamentations. Tu n'es pas né pour marcher avec le manteau de la lamentation. Alléluia. Tu es né pour voir la gloire de Dieu. Tu es né pour manifester les exploits de Dieu. Tu es né pour être un candidat par lequel le Saint-Esprit va manifester le royaume de Dieu sur la terre. Tu es né afin qu'on puisse voir la gloire de Dieu dans ta vie. C'est pour cela, apprends à dire à ta situation, cette situation-ci va concourir à la manifestation de la gloire de Dieu. Mon problème va concourir à la manifestation de la gloire de Dieu. Ma difficulté va concourir à la manifestation de la puissance de Dieu. Ce que je vis va concourir au témoignage de la puissance de Dieu. Car il y a un temps pour toutes choses sous les cieux. Car il y a un temps pour toutes choses sur la terre. Car il y a un temps pour toutes choses sur la terre. Alléluia. Sur la terre, il y a un temps pour toutes choses. Un temps pour toutes choses. Si je pleure aujourd'hui, ça veut dire que très bientôt, je vais me réjouir. Si je me lamente aujourd'hui, ça veut dire que très bientôt je vais danser. Si je suis en train de couler des larmes aujourd'hui, ça veut dire que très bientôt je serai dans la joie. Alléluia. Nous allons encore lire ce que David dit dans le psaume 30 au verset 11. Psaume 30 au verset 11, David dit ceci. Et tu as changé mes lamentations en allégresse. Vous voyez? Et tu as changé mes lamentations en allégresse. Je prie ce matin que Dieu puisse changer tes lamentations en allégresse dans le nom de Jésus. Il dit, tu as délié mon sac et tu m'as ceint de joie. Waouh! Tu as délié mon sac. Le sac représentait le deuil. Le sac représentait la douleur. Le sac représentait la souffrance. Le sac représentait l'abandon. Il dit, tu as délié mon sac et tu m'as ceint de joie. Alléluia! Oh, que le Saint-Esprit puisse ceindre ta vie de joie ce matin au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit puisse couvrir ta vie de sa joie dans le nom de Jésus. Car la joie du Seigneur, c'est là qu'est ta force. La joie du Seigneur est ta force. Je prie ce matin que le Saint-Esprit puisse changer tes lamentations en rire dans le nom de Jésus. Nous voulons prier ce matin. Notre thème, je répète encore, change mes lamentations en rire. Change mes lamentations en rire. Alléluia. Change mes lamentations en rire. Change mes lamentations en rire. Pour ceux qui viennent d'arriver, l'Ecclésiaste dit ceci. Il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses sous les cieux. Nous sautons au verset 4. Un temps pour pleurer et un temps pour rire. Un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia, on acclame le Seigneur, merci Jésus, nous voulons prier le Seigneur ce matin, alléluia, prie avec moi ce matin, gloire à Dieu, merci d'aimer la vidéo, merci de partager, vous qui venez de vous connecter maintenant, merci d'aimer la vidéo, notre thème c'est change mes lamentations en rire, et nous croyons que Dieu, dans sa manière de faire, Dieu, dans sa grâce, dans sa bonté, Dieu, dans sa puissance, il change les lamentations en rire. Dieu, dans sa puissance, il change les situations difficiles en situations de joie, en situations de faveur dans le nom de Jésus. Dieu, dans toute sa gloire, il est celui qui change la vie d'une personne radicalement, au-delà de ce qu'elle peut penser, au-delà de ce qu'elle peut entendre, au-delà de ce qui peut monter dans son cœur. Alléluia. Les choses que l'œil n'a point vues, les choses que l'oreille n'a point entendues, ce qui n'est point monté dans le cœur de l'homme, c'est ce que notre Dieu fait. Et que le Dieu qui change les lamentations en rire puisse changer tes lamentations en rire ce matin dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Prie avec moi ce matin. Tu vas dire ce matin, tendre Père, je te bénis. Merci car c'est toi qui m'accorde encore cette nouvelle journée. Merci car c'est toi qui as des plans merveilleux pour moi, des plans de bonheur et non de malheur, afin de me donner un avenir et une très belle espérance dans le nom de Jésus.
Commence à dire merci au Père ce matin. Prie avec moi ce matin, au nom de Jésus. Tendre Père, je te bénis encore ce matin. Reçois la gloire, reçois la louange. Merci pour cette nouvelle journée que tu m'accordes. Merci pour cette nouvelle journée que tu accordes à ma maison. Merci pour cette nouvelle journée que tu accordes à ma famille. Je viens te célébrer, je viens te louer ce matin. Je reconnais que c'est ta grâce, ô Dieu, qui m'a porté jusqu'ici. Je reconnais que c'est ta grâce, ô Seigneur, qui m'a protégé, qui a protégé ma maison, qui a protégé mes enfants jusqu'ici. Reçois la gloire et la louange, ô Dieu de gloire. Je te bénis ce matin. Merci, Seigneur. Merci, Père, car tu as des plans merveilleux pour moi, des plans de bonheur et non de malheur, afin de me donner un avenir et de l'espérance. Même si, Seigneur, ce que je vis ne correspond pas à ce que j'aimerais voir, mais je sais une chose, tu es fidèle et que tu n'es pas un homme pour mentir. Ce que tu as dit, ta main finit par l'accomplir. Reçois la gloire, Seigneur. Reçois la louange, Seigneur, car c'est toi qui es le Dieu de mon salut. Merci, car c'est toi, Seigneur, qui es le Dieu qui projette ta bonté sur ma vie, sur ma maison, afin de me préserver, de me garder. Reçois la gloire, reçois la magnificence, mon Père, car c'est toi qui changes mes lamentations en rire. Et merci, Père, pour ta parole qui m'a encore fortifié ce matin. Merci pour ta parole qui m'a encore donné la force ce matin. Merci pour ta parole qui m'a encore vivifié ce matin. Merci pour ta parole qui m'a encore fortifié ce matin. Reçois la gloire, reçois la louange, reçois la magnificence parce que tu es Dieu ce matin dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, tu vas prier avec moi. Tu vas demander pardon, Seigneur, ce matin. Peut-être que hier, avant de dormir, ton cœur n'était pas dans la joie. Tu as péché, mais tu n'as pas demandé pardon. Peut-être qu'il y a un péché qui est dans ton cœur qui t'empêche de prier dans la sincérité, qui t'empêche de prier dans l'intégrité, qui t'empêche de prier dans une consécration complète. Alors tu vas demander pardon au Seigneur, car la Bible déclare tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tu vas demander pardon, Seigneur, ce matin pour tous les péchés que tu connais, tous les péchés connus et inconnus, tous les péchés que tu as commis, pour tous tes manquements. Tu vas demander pardon au Père ce matin. Commence à demander pardon. Oh Seigneur, ce matin, je viens encore devant le trône de ta grâce, devant le trône de ta compassion, devant le trône de ton pardon, devant le trône, Seigneur, de ta miséricorde, te demander pardon, Seigneur. Je reconnais que je suis pécheur ce matin. Je reconnais, Seigneur, que j'ai tellement de manquements, que Seigneur, oh, si tu comptais mes fautes, je ne saurais même pas subsister. Je ne saurais même pas résister devant toi. C'est pour cela que je viens devant toi te demander pardon. Car tu dis dans ta parole, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Seigneur, mon désir ce matin est que ma vie soit guérie. Mon désir ce matin est que ma maison soit guérie encore une fois. Mon désir ce matin est que ma destinée soit guérie. Mon désir ce matin est que ma vie, Seigneur, soit transformée. Alors je décide encore ce matin de me détourner de mes mauvaises voies. Là où, Seigneur, je m'éloigne de toi. Là où je fais les choses qui ne te glorifient pas. Là où, Seigneur, ô Dieu de gloire, le péché est en moi, Seigneur, je te demande pardon. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne les pensées de mon cœur. Pardonne les paroles de ma bouche. Pardonne, Seigneur, ô Dieu de gloire, ce que je permets à mes yeux de regarder. Pardonne, Seigneur, ce que je permets à mes oreilles d'entendre qui ne te glorifie pas. Pardonne-moi, Seigneur, ô Dieu de gloire, là où je m'assois en compagnie des moqueurs. Pardonne-moi, Seigneur, là où, Seigneur, je n'ai pas changé mon entourage qui ne te glorifie pas. Pardonne-moi, Seigneur, ô Dieu de gloire, je te demande pardon ce matin. Pardonne-moi, Seigneur, comme moi je pardonne aussi à ceux qui m'ont offensé. Oui, Seigneur, car je reconnais ce matin que si je ne pardonne pas, Seigneur, toi non plus, tu ne me pardonneras pas. Alors je te demande pardon. Pardonne-moi, Seigneur, pardonne les péchés de ma maison, pardonne les péchés de mes enfants. Pardonne les péchés de mon époux. Pardonne les péchés de la tour de prière ce matin. Pardonne-nous ce matin et fais-nous grâce parce que tu es Dieu. Pardonne-nous ce matin et accorde-nous ta grâce encore, Seigneur. Pardonne-nous ce matin. Fais-nous grâce, Seigneur. Pardonne-moi tout péché qui pourrait me condamner devant toi. Pardonne-moi tout péché, Seigneur, qui empêche ma prière de monter au
dans les sphères célestes. Pardonne-moi, Seigneur, tout péché qui ne t'honore pas. Seigneur, oui, le péché ne t'honore pas. Alors, je te demande pardon. Je te demande pardon. Pardonne-moi la folie que je peux manifester parce que la folie est attachée au cœur de l'enfant, dit la Bible. Seigneur, pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi tout péché que je commets et qui n'est pas à la hauteur de l'héritier que je dois être, mais qui manifeste encore la qualité d'esclave alors que je suis libre en Christ. Je te demande pardon. Pardonne-nous, Seigneur, et fais-nous grâce ce matin dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia, au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, tu vas prier encore avec moi ce matin. Tu vas invoquer le Saint-Esprit. La Bible déclare, c'est ni par la puissance, ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons absolument rien faire. Sans le Saint-Esprit, nous ne pourrons pas avoir une vie chrétienne épanouie. Sans le Saint-Esprit, nous ne pourrons pas résister au diable. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons absolument rien faire. C'est pour cela que nous allons encore appeler le Saint-Esprit. Tu vas encore dire ce matin, très cher Saint-Esprit, oh, apprivoise-moi encore ce matin. Remplis-moi encore ce matin. Prends le contrôle de ma vie encore ce matin. Je me dédie à toi. Je me confie à toi. Je me livre à toi, Saint-Esprit. Fais de moi ce que tu veux. Oh, tu vas demander au Saint-Esprit. Dis au Saint-Esprit que tu te consacres encore à lui. Que tu te dédies encore à lui. Que tu te livres encore à lui. Qu'il fasse de toi ce qu'il veut dans le nom de Jésus. Commence à prier, bien-aimé. Demande au Saint-Esprit de te remplir. Demande au Saint-Esprit. Oh, que tu te livres. Dieu Saint-Esprit, remplis-moi encore, car je me livre à toi. Saint-Esprit, remplis-moi encore ce matin. Alors que je me tiens à la porte de l'aurore, je viens me livrer à toi. Je me livre totalement, esprit à mes corps. Saint-Esprit, prends le contrôle de mon esprit. Prends le contrôle de mon âme. Prends le contrôle de ma vie. Prends le contrôle de mes pensées. Prends le contrôle de tout ce que je suis. Prends le contrôle de ma volonté. Prends le contrôle de mes émotions. Prends le contrôle de ce que je suis, Saint-Esprit, car je reconnais ce matin que sans toi, je ne peux rien faire. Saint-Esprit, l'esprit de sagesse, l'esprit de grâce, l'esprit de sainteté, l'esprit de consécration, l'esprit de révélation, remplis-moi ce matin. Saint-Esprit, remplis-moi de toi ce matin. Remplis-moi de ta puissance ce matin. Remplis-moi de ta sagesse ce matin. Remplis-moi de ta grâce ce matin. J'ai besoin de toi, Saint-Esprit. Ne m'abandonne pas. Ne me laisse pas. Remplis-moi de la tête à la plante de mes pieds, que je sois rempli de toi. Saint-Esprit, remplis aussi ma maison. Saint-Esprit, remplis aussi mes enfants. Attire-les à toi. Attire-les à te connaître. Attire-les à te servir. Attire-les à te chercher. Dans le nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, remplis la TPS ce matin. Que tout membre de la TPS soit rempli ce matin. De toi, Saint-Esprit, de la tête à la plante des pieds. Que tu puisses se remplir. Que tu puisses se remplir. Cher Saint-Esprit, remplis-nous. Revêt-nous ce matin comme un vêtement. Que nous soyons revêtus de toi, Saint-Esprit, Esprit de Dieu vivant, l'Esprit de grâce, Saint-Esprit, l'Esprit de guérison, l'Esprit de délivrance. Je te désire dans ma vie ce matin, Saint-Esprit, l'Esprit d'onction. Revêt-nous de ton onction. Bien-aimé, appelle l'onction du Saint-Esprit. L'onction du Saint-Esprit, c'est la capacité. L'onction du Saint-Esprit, c'est la force surnaturelle de l'Esprit. L'onction du Saint-Esprit, c'est la grâce surnaturelle du Saint-Esprit. L'onction du Saint-Esprit, c'est la faveur surnaturelle du Saint-Esprit. Appelle le Saint-Esprit à te remplir ce matin. Saint-Esprit, remplis-moi ce matin. Saint-Esprit, remplis-moi ce matin. Remplis ma maison ce matin. Remplis mes enfants ce matin. Remplis ma vie ce matin. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oh Saint-Esprit, 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 remplis-moi de toi. 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 Ce matin, nous te désirons. Sur la tour de prière semeur, nous te désirons. L'esprit de vie, l'esprit de vie, viens souffler. Souffle ta vie dans nos vies. Souffle ton vent dans nos vies. Saint-Esprit, nous te désirons ce matin dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimé, tu vas encore prier. Alors que tu étais en train de dormir, tu étais en train de dormir. Oui, tu ne sais pas quelles sont les semences qui ont été semées dans ton rêve. Tu ne sais pas quelles sont les semences que l'ennemi a semées dans ta vie au travers de ton sommeil, au travers de ton rêve, au travers de beaucoup de choses. Alors tu vas demander ce matin le sang de Jésus. La Bible déclare, ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et la Bible dit aussi que le sang de Jésus crie mieux que celui
celui d'Abel. Le sang de Jésus parle mieux que celui d'Abel. Le sang de Jésus est le sang de la nouvelle alliance qui a coulé pour nous. Oui, tu vas prier, tu vas invoquer le sang de Jésus ce matin, que le sang de Jésus puisse te nettoyer ce matin, te laver ce matin, te purifier ce matin de toute souillure qui aurait pu être infectée dans ta vie, dans ton corps, dans ton âme, dans ta maison, alors que tu es en train de dormir. Dans le nom puissant de Jésus, invoque le sang de Jésus, le sang de la victoire. Bien-aimé, tu dois savoir que le monde des ténèbres ne supporte pas le sang de Jésus. Alors invoque le sang de Jésus, alors que le soleil n'est pas encore levé, alors que tu es dans la prière, que le sang de Jésus puisse te purifier ce matin. Dans le nom de Jésus, que le sang de Jésus puisse purifier ta maison ce matin. Dans le nom de Jésus, que le sang de Jésus puisse purifier ta famille ce matin. Dans le nom de Jésus, que le sang de Jésus puisse purifier tes enfants ce matin. Au nom puissant de Jésus, commence à invoquer le sang de Jésus ce matin. Au nom puissant de Jésus. Ô Seigneur, j'invoque encore ton sang précieux ce matin. Que ton sang puisse me purifier ce matin. Dans le nom de Jésus. Que ton sang puisse me laver ce matin. Purifie-moi, Seigneur. Purifie mes enfants ce matin. Purifie ma maison par ton sang précieux. Dans le nom de Jésus. Le sang de la victoire. Le sang qui nous donne la victoire. Oui, car nous l'avons vaincu à cause de ton sang, Seigneur, et à cause de la parole de notre témoignage. Ce matin, Seigneur, ô Dieu, j'invoque ton sang. J'invoque ton sang, que ton sang précieux puisse nous laver, que ton sang précieux puisse nous purifier, que ton sang précieux puisse nous nettoyer ce matin, dans le nom puissant de Jésus. Que nous soyons nettoyés, que nous soyons lavés, que nous soyons, Seigneur, ô Dieu, vivifiés par ton sang précieux, de la tête à la plante de nos pieds, Seigneur. Nettoie-nous par ton sang. Enlève les souillures, enlève les mauvaises semences, enlève les virus des ténèbres au nom de Jésus, enlève la maladie par ton sang précieux ce matin, que ton sang précieux puisse nous laver, puisse nous nettoyer dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Seigneur, je prends l'arrosoir de ton sang précieux, je prends l'arrosoir du sang de Jésus et je nettoie ma maison ce matin, je nettoie ma maison ce matin de fente en comble, dans toutes les pièces, je nettoie avec le sang de l'agneau, que ce qui ne te glorifie pas, Seigneur, que les semences que tu n'as pas plantées, que ce que tu n'as pas planté soit maintenant foudroyé par ton feu, par ton sang précieux, dans le nom de Jésus. Que ton sang puisse nettoyer ma maison, que ton sang puisse nettoyer, Seigneur, ô Dieu de gloire, ma vie ce matin, dans le nom de Jésus. Ah Seigneur, j'invoque ton sang précieux, le sang de la victoire, le sang de la victoire. Là où j'ai fait un mauvais rêve, je viens maintenant nettoyer ce rêve par le sang de l'agneau. Je viens nettoyer ce rêve par le sang de l'agneau, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Seigneur Dieu de gloire, Seigneur Dieu de gloire, Seigneur Dieu de gloire, Seigneur Dieu de gloire, ton sang, Seigneur, ton sang nettoie ma vie, nettoie ma maison ce matin, et que ton sang puisse imposer le silence à mes adversaires, dans le nom de Jésus. Que ton sang puisse imposer le silence à toute voix maléfique qui a parlé contre moi, alors que j'étais en train de dormir, dans le nom de Jésus. Que ton sang me purifie ce matin, au nom puissant de Jésus. Merci pour la victoire que tu me donnes par ton sang précieux. Merci pour la victoire que tu me donnes par ton sang précieux, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Alléluia, au nom de Jésus. Bien-aimé, tu vas prier encore. Tu vas prier ce matin et tu vas encore invoquer le Père. Oui, le thème de notre prière, c'est « Change mes lamentations en rire ». Tu vas dire ce matin, « Mon Père, mon Père, mon Père, mon Père, alors que je me tiens à la porte de l'aurore. » Oui, ça c'est la porte de l'aurore. « Alors que je me tiens dans la prière ce matin, change mes lamentations en rire au nom de Jésus. Change mes lamentations ce matin. Seigneur, là où je suis en train de me lamenter, là où, Seigneur, la souffrance est en train de me faire lamenter, là où, Seigneur, la douleur est en train de me faire lamenter, Seigneur, change mes lamentations en rire. Change mes pleurs en rire. Change ma tristesse en rire dans le nom de Jésus. Car rien n'est impossible à toi. Car rien n'est impossible à toi. Oh, bien-aimé, prie, demande au Père ce matin de changer tes lamentations en rire dans le nom de Jésus. Là où la situation est en train de te faire lamenter, là où la situation est en train de te faire couler des larmes, là où la situation est en train de te faire perdre, même la lucidité, là où la situation est en train de te faire souffrir dans le cœur, demande au Père de changer tes lamentations en rire, dans le nom de Jésus. Ce matin, il a dit, invoque-moi, je te répondrai, et je te montrerai les choses cachées. Oui, la Bible déclare aussi par la bouche de David, l'Esprit parle et dit ceci, remets ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, alors il agira. La Bible dit toujours par la bouche de David, ceux qui se confient en l'Éternel trouvent dans leur cœur des chemins déjà tracés. Bien-aimés, comment
commence à prier. Dis au Père ce matin, mon Père, je te prie ce matin, change mes lamentations en rire, dans le nom de Jésus. Alors que je me tiens à la porte de l'aurore, change mes lamentations. Là où je suis en train de pleurer, là où je suis en train de souffrir, change mes lamentations en rire, change mes lamentations en cri de joie, change mes lamentations en danse de joie, dans le nom de Jésus. Je t'en supplie, que je ne puisse pas danser la danse des pleurs, que je ne puisse pas danser la danse des larmes, mais que je puisse danser la danse des joies, de joie, dans le nom de Jésus. Je te prie ce matin, je te prie ce matin, mon Père, je te prie ce matin, change mon Père, change, change mes lamentations en rire, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Prends en charge mon problème, je t'en prie ce matin, oh souviens-toi de moi, souviens-toi de moi, souviens-toi de moi ce matin, de la même manière que tu t'étais souvenu de Joseph alors qu'il était dans la prison. Souviens-toi de moi ce matin, de la même manière que tu t'étais souvenu, Seigneur, des enfants d'Israël qui souffraient en Égypte. Souviens-toi de moi ce matin, je t'en supplie, Seigneur, je t'en supplie, Seigneur, souviens-toi de moi, essuie mes larmes, change mes lamentations en rire, aujourd'hui, aujourd'hui, au nom puissant de Jésus-Christ, change mes lamentations en rire, je t'en supplie, car c'est toi qui changes ma vie, car c'est toi qui changes ma vie, car c'est toi qui changes ma vie, change mes lamentations en allégresse, au nom de Jésus, je t'en supplie, mon Père, ce matin, car tu dis dans ta parole, il y a un temps pour toute chose, il y a un temps pour toute chose, j'ai assez pleuré, je me suis assez lamenté, j'ai assez souffert, Seigneur, change mes lamentations en rire, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, je t'en supplie, oh viens à mon secours, viens à mon secours, le Dieu qui ne recule devant rien, tu ne recules pas devant le combat, tu es fort dans le combat, tu es puissant dans ta puissance, tu es grand dans ta grandeur, tu es glorieux dans ta gloire, je t'en supplie mon Père, ce matin, oh change mes lamentations en rire, dans le nom de Jésus, 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 alléluia, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, alléluia, alléluia. Bien-aimé, tu vas prier encore ce matin et tu vas dire avec moi ce matin, feu du Saint-Esprit, lève-toi dans ta gloire. Feu du Saint-Esprit, tu vas appeler le feu du Saint-Esprit. Feu du Saint-Esprit, lève-toi dans ta gloire, alléluia, et brûle toute difficulté dans ma vie au nom de Jésus. Feu du Saint-Esprit, lève-toi dans ta gloire et brûle toute difficulté dans ma vie au nom de Jésus. Bien-aimé, tu vas prier et que le feu du Saint-Esprit puisse brûler toute difficulté dans ta vie au nom de Jésus. Cette difficulté qui te fait pleurer, cette difficulté qui te fait lamenter, cette difficulté, bien-aimé, que toute difficulté dans ta vie soit brûlée par le feu du Saint-Esprit, que toute difficulté dans ta vie soit brûlée par le feu du Saint-Esprit. Feu du Saint-Esprit, lève-toi. Feu du Saint-Esprit, lève-toi dans ta gloire, dans ta puissance, dans ta grandeur, dans ta fureur et brûle toute difficulté dans ma vie, dans le nom de Jésus. Commence à prier avec moi, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au feu du Saint-Esprit, lève-toi dans ta gloire. Ce matin, lève-toi dans ta gloire et brûle toute difficulté dans ma vie dans le nom de Jésus. Feu du Saint-Esprit ce matin, brûle toute difficulté dans la vie de mes enfants au nom puissant de Jésus. Feu du Saint-Esprit ce matin, brûle toute difficulté dans mes affaires dans le nom de Jésus. Feu du Saint-Esprit, lève-toi dans ta fureur, dans ta gloire. Feu du Saint-Esprit, lève-toi dans ta grandeur. Feu du Saint-Esprit, lève-toi. Oh, lève-toi, feu du Saint-Esprit, et brûle toute difficulté. Oui, que le feu du Saint-Esprit, bien-aimé, puisse brûler toute difficulté dans ta vie. Que le feu du Saint-Esprit, bien-aimé, puisse brûler toute difficulté dans ta maison. Que le feu du Saint-Esprit puisse brûler toute difficulté dans ta vie, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom glorieux de Jésus, dans le nom excellent de Jésus, dans le nom glorieux, puissant de Jésus-Christ. Oh, prie avec moi. Appelle le feu du Saint-Esprit. Feu du Saint-Esprit ce matin. Feu du Saint-Esprit ce matin, je te prie. Brûle toute difficulté dans ma vie, dans le nom puissant de Jésus. Brûle toute difficulté dans ma maison, dans le nom puissant de Jésus. Brûle toute difficulté dans ma famille, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Feu du Saint-Esprit, je te prie ce matin. Brûle toute difficulté dans ma vie, au nom puissant de Jésus. Feu du Saint-Esprit. Feu du Saint-Esprit, commence à brûler, lève-toi, commence à brûler
Alléluia. Commence à brûler feu du Saint-Esprit. Commence à brûler toute difficulté dans ma vie, toute difficulté dans ma maison au nom de Jésus, toute difficulté dans ma destinée, toute difficulté dans mon chemin au nom puissant de Jésus. Que toute difficulté qui se dresse contre moi, toute difficulté qui se dresse contre moi soit brûlée par ton feu, le feu de la puissance, le feu de la purification. Réduis en cendres, feu du Saint-Esprit, toute difficulté dans ma vie dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimé, tu vas prier ce matin. Peut-être que des fois tu te lamentes parce que ton étoile est étouffée. Des fois tu te lamentes parce que ton étoile ne brille pas. Des fois tu te lamentes parce que tout simplement ton étoile est étouffée. Il y a une attaque dans ton étoile. Alors tu vas prier ce matin et tu vas dire avec moi, feu du Saint-Esprit, lève-toi et brûle, alléluia, brûle en cendres toute chose qui couvre mon étoile au nom de Jésus. Feu du Saint-Esprit, lève-toi ce matin et brûle, calcine toute chose qui couvre mon étoile au nom de Jésus. Toute chose qui étouffe mon étoile au nom de Jésus. Commence à calciner, brûle ce matin toute chose qui empêche mon étoile de briller dans le nom de Jésus. Brûle ce matin toute chose qui empêche ma vie de réussir au nom de Jésus. Au feu du Saint-Esprit, commence à prier ce matin, bien-aimé, que le feu du Saint-Esprit, lève-toi et brûle en cendres, brûle, calcine en cendres toute chose qui couvre mon étoile au nom de Jésus, toute chose qui étouffe les étoiles de mes enfants dans le nom de Jésus-Christ. Feu du Saint-Esprit, je te prie ce matin, brûle toute chose qui couvre, qui étouffe mon étoile dans le nom puissant de Jésus. Oh, toute chose qui étouffe mon étoile, qui empêche mon étoile de briller, qui empêche mon étoile d'exceller, qui m'empêche de rentrer dans la percée, que cela soit calciné ce matin dans le nom de Jésus. Feu du Saint-Esprit, lève-toi. Feu du Saint-Esprit, lève-toi ce matin et défends ma cause. Commence à calciner toute chose qui couvre mon étoile au nom de Jésus. Toute chose qui m'empêche d'exceller dans la vie dans le nom de Jésus. Commence à calciner toute chose des ténèbres qui étouffe mon étoile, qui étouffe ma destinée, qui étouffe la destinée de mes enfants. Dans le nom de Jésus, que cela soit foudroyé par le feu ce matin. Que cela soit calciné par ton feu ce matin. Dans le nom de Jésus, 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 que cela soit calciné ce matin au nom puissant de Jésus, 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 au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Alléluia, alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. Merci Seigneur, merci Jésus. Acclame le Seigneur ce matin. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh bien-aimé, tu vas prier. Tu vas dire encore au Père ce matin, mon Père, mon Père, mon Père, mon Père, change mes lamentations en rire ce matin. Change mes lamentations en rire ce matin. Et brûle toute langue maléfique qui s'élève contre moi au nom de Jésus. Mon Père, change mes lamentations en rire et brûle par ton feu toute langue maléfique qui s'élève contre moi, qui s'élève contre ma destinée, qui s'élève contre ma maison, qui s'élève contre mes enfants, dans le nom puissant de Jésus. Mon Père, change mes lamentations en rire et brûle, que ton feu puisse brûler, mon Père, toute langue maléfique qui s'élève contre moi. Bien-aimé, peut-être que tu es en train de combattre, tu es en train de souffrir, tu es en train de te battre parce qu'il y a une langue maléfique qui s'élève contre toi dans les ténèbres. Parce qu'il y a une langue des ténèbres qui avait parlé contre toi il y a longtemps. Oh, que le feu de Dieu puisse brûler cette langue maléfique dans le nom puissant de Jésus. Que le feu de Dieu puisse changer tes lamentations en rire au nom puissant de Jésus. Oh mon Père, alors que je me tiens devant le trône de ta grâce ce matin, je prie encore, mon Père, change mes lamentations en rire. Change mes lamentations en rire et brûle ce matin toute langue maléfique qui s'élève contre moi dans le nom de Jésus. Brûle ce matin toute langue maléfique qui parle contre ma maison, qui parle contre mon mariage, qui parle contre mes enfants, qui parle contre ma vie spirituelle, dans le nom puissant de Jésus. Que toute langue maléfique de la maison de mon père ou de la maison de ma mère qui parle contre moi soit foudroyée par le feu, soit foudroyée par ton feu, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, qu'il soit foudroyé par le feu, qu'il soit anéanti par le feu, dans le nom de Jésus. Que toute langue des ténèbres, toute langue maléfique
qui s'élèvent contre moi pour me condamner, qui s'élèvent contre moi pour envoyer des tristesses, pour envoyer des souffrances contre moi, soient condamnés ce matin, soient brûlés ce matin par ta puissance, par ton pouvoir, par l'épée de ton esprit, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, que cela soit foudroyé ce matin, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh bien-aimé, tu vas encore invoquer le Saint-Esprit. Tu vas encore dire, très cher Saint-Esprit, ce matin, alléluia, ce matin, détruis tout vêtement de déception. Alléluia, tout vêtement de déception, tout vêtement de lamentation, cousu pour moi dans le nom de Jésus. Cher Saint-Esprit, ce matin, détruis, tu peux dire détruis par ton feu, ou encore détruis par le feu, tout vêtement de déception qui a été cousu pour moi dans le nom de Jésus. Tout vêtement de déception qui a été cousu pour ma vie, que cela soit brûlé ce matin au nom de Jésus. Très cher Saint-Esprit, oh, détruis, anéantis par ton feu, brûle par ton feu, déchire par ton épée, tout vêtement de déception, tout vêtement de lamentation, tout vêtement de pleurs, tout vêtement de souffrance, tout vêtement de maladie, tout vêtement de confusion qui a été cousu pour moi dans le nom de Jésus. Que ce vêtement prenne feu ce matin, que ce vêtement prenne feu ce matin dans le nom de Jésus-Christ, que ce vêtement prenne feu ce matin dans le nom de Jésus, que ce vêtement prenne feu ce matin. Très cher Saint-Esprit, ce matin, tout vêtement de déception qui a été cousu pour tes enfants, qui a été cousu pour la vie de quelqu'un ici, qu'il prenne feu ce matin au nom de Jésus. Tout vêtement de souffrance qui a été cousu pour la vie de quelqu'un qui est connecté ici, que cela prenne feu ce matin dans le nom de Jésus. Que cela prenne feu ce matin au nom de Jésus. Je déclare ce matin que tout vêtement de maladie qui a été cousu pour la vie de quelqu'un qui est connecté ici, prends feu maintenant, pas demain. Je commande à ce vêtement de la maladie de brûler ce matin au nom de Jésus. Je commande au vêtement de pauvreté qui a été cousu pour quelqu'un qui est connecté ici, de se brûler dans le nom de Jésus, d'être calciné, d'être anéanti, d'être brûlé, d'être réduit en lambeaux, d'être réduit en cendres, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Je déclare sur toi ce matin, tout vêtement de lamentation qui a été cousu pour toi dans le monde des ténèbres, je le détruis ce matin au nom de Jésus. Tout vêtement de confusion, tout vêtement d'humiliation qui a été cousu spécialement pour toi, qui a été cousu spécialement pour ta vie, je le déchire ce matin dans le nom de Jésus. Je l'anéantis ce matin dans le nom de Jésus. Je le détruis ce matin au nom de Jésus. Tout vêtement de déception, tout vêtement de maladie qui a été cousu spécialement pour tes enfants, oh, j'envoie le feu sur ce vêtement au nom de Jésus. J'envoie le feu sur ce vêtement au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, que ce vêtement prenne feu maintenant, que ce vêtement prenne feu maintenant, que ce vêtement prenne feu maintenant, au nom puissant de Jésus, que ce vêtement prenne feu ce matin, au nom puissant de Jésus, que ce vêtement prenne feu ce matin, dans le nom de Jésus. Tout vêtement d'échec qui a été cousu spécialement pour toi, oh, j'envoie le feu de Dieu dessus, au nom de Jésus. Je commande à ce vêtement de mourir, je commande à ce vêtement d'être foudroyé par le feu de Dieu dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, j'ordonne à tout vêtement de malheur qui a été cousu contre toi, qui a été cousu pour toi, qui a été cousu pour ta vie dans le monde des ténèbres, d'être foudroyé par le feu, d'être calciné par le feu dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et tu vas prier ce matin et tu vas dire, très cher Saint-Esprit, revêt-moi du vêtement du rire. Revêt-moi du vêtement du rire. Revêt-moi, que tu puisses revêtir. Dis ça, très cher Saint-Esprit, revêt-moi ce matin du vêtement de rire, du vêtement de joie, du vêtement de danse dans le nom de Jésus, du vêtement de témoignage dans le nom de Jésus, du vêtement au Saint-Esprit de la joie, car il y a un temps pour toutes choses. Un temps pour pleurer et un temps pour se réjouir. Un temps pour se lamenter et un temps d'allégresse. Je te prie, Saint-Esprit, revêt-moi ce matin du vêtement d'allégresse au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, qu'il puisse te revêtir ce matin du vêtement d'allégresse. Qu'il puisse te revêtir ce matin du vêtement de faveur. Qu'il puisse te vêtir ce matin du vêtement de grâce. Dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Oh, reçois ce vêtement. Dis tout simplement avec moi ce matin, je reçois ce vêtement ce matin. Je reçois ce vêtement ce matin, dans le nom de Jésus.
dans le nom de Jésus. Je reçois ce vêtement ce matin au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. 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 Bien-aimé, tu vas prier. Nous passons à la prière de traitement rapidement. Est-ce qu'on peut écrire prière de traitement? Prière de traitement. La prière de traitement est tout simplement une prière où nous traitons notre journée, où nous faisons des déclarations prophétiques pour notre journée, où nous déclarons, car la Bible déclare dans le livre de Job, à tes résolutions répondra le succès. C'est-à-dire à ce que toi tu vas déclarer dans ta bouche, le succès va suivre. Ce que toi tu vas déclarer dans ta bouche, en fait, ce que tu vas vivre va dépendre aussi de ce que toi tu vas dire dans ta bouche. Gloire à Dieu. Et le livre de Proverbes dit que tel il est, tel il pense. Ce que tu penses détermine ta vie. Ce que tu penses détermine ce que tu es. Alors, la prière de traitement est tout simplement une prière qui ramène le prophétique dans sa journée, qui ramène la gloire de Dieu dans sa journée, qui déclare des choses qui changent l'atmosphère de ta journée. Alléluia. Alors, écris avec moi, prière de traitement, prière de traitement, prière de traitement, prière de traitement. Alléluia. Alors ce matin, tu vas dire, alléluia, au nom puissant de Jésus, tendre Père, en cette journée, marche avec moi. Au nom puissant de Jésus, tendre Père, en cette journée, marche avec moi. Marche avec moi au nom de Jésus. Marche avec moi. Tendre Père, marche avec moi en cette journée. Partout où je vais aller, je déclare que le Père sera avec moi. Partout où je vais aller, je déclare que le Saint-Esprit sera avec moi. Partout où je vais aller, je déclare que les anges de Dieu seront avec moi, dans le nom de Jésus. En cette journée, je déclare que le Père est avec moi, le Saint-Esprit est avec moi, le Fils est avec moi, les anges sont avec moi, dans le nom puissant de Jésus. 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 Marche avec moi en cette journée. Oh, marche avec moi en cette journée, mon Père. Agis en moi en cette journée. Déclare que le Père puisse agir en toi en cette journée. Agis en moi en cette journée. Agis en moi en cette journée dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Tu vas encore dire avec moi, mon Père, c'est ici la journée que tu as faite. Que ma bouche soit ta bouche. Que mes yeux soient tes yeux. Que mes mains soient tes mains. Que mes pieds soient tes pieds. Utilise-moi, Seigneur, pour ta gloire. Que ma vie puisse manifester ta gloire en cette journée, dans le nom de Jésus. Que ma vie puisse manifester ta gloire en cette journée, au nom de Jésus. Que mes pieds puissent être des pieds de la paix. Que ma bouche puisse être une bouche de la paix. Alléluia. Que mes yeux soient des yeux de compassion, dans le nom de Jésus. Utilise-moi pour la cause du royaume en cette journée. Utilise-moi, Seigneur, comme un instrument pour ta gloire, comme un instrument pour ton royaume, comme un instrument, Seigneur. Je te prie en cette journée, marche avec moi. Marche avec moi. Conduis-moi, Seigneur. Conduis-moi en cette journée. Conduis-moi. Bien-aimé, fais la prière de traitement. Tu peux me suivre, je peux t'inspirer. Et tu peux aussi rajouter ce que le Saint-Esprit te dit de dire. Alléluia. Conduis-moi en cette journée, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Tu vas encore prier, tu vas dire, mon Père, c'est ici la journée que tu as faite. Qu'elle soit pour moi un sujet de paix, un sujet de joie. Un sujet de bonne nouvelle, un sujet d'allégresse. Conduis-moi dans les eaux paisibles en cette journée. Conduis-moi dans les eaux paisibles en cette journée, dans le nom de Jésus. Mon Père, conduis-moi dans les eaux paisibles en cette journée, dans le nom puissant de Jésus. Conduis-moi dans les eaux paisibles en cette journée, dans le nom puissant de Jésus. Conduis-moi dans les eaux paisibles. Conduis-moi dans les eaux paisibles. Les eaux paisibles, bien-aimés, c'est la faveur. Les eaux paisibles, c'est la guérison. Les eaux paisibles, c'est la grâce de Dieu. Les eaux paisibles, c'est ce que Dieu a prévu pour toi dans le nom puissant de Jésus. Conduis-moi, mon Père. Conduis-moi ce matin au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Toujours dans la prière de traitement, tu vas dire avec moi ce matin, très cher Saint-Esprit, que toute chose puisse concourir à mon bien en cette journée. Peu importe ce que je vais vivre en cette journée. Peu importe ce qui peut arriver en cette journée. Mais Saint-Esprit, que toute chose puisse concourir à mon bien en cette journée dans le nom de Jésus. Que toute chose puisse concourir à mon bien dans le nom de Jésus.
car il est écrit dans ta parole, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Prie avec moi ce matin. Oui, prie que le Saint-Esprit, en cette journée, puisse concourir toutes choses en ta faveur, dans le nom de Jésus. Très cher Saint-Esprit, en cette journée, concours toutes choses en ma faveur, dans le nom de Jésus. Que tout soit en ma faveur, que toutes choses puissent concourir pour moi, que toutes choses puissent travailler pour moi, que les hommes travaillent pour moi, que ceux que je vais rencontrer puissent être des canaux pour ma bénédiction, dans le nom de Jésus. Que les portes puissent s'ouvrir pour moi cette journée, dans le nom de Jésus. Et que cette journée soit une journée mémorable, où je vais voir ta gloire à une nouvelle dimension. Que cette journée, Seigneur, ô Dieu, soit une journée mémorable, où mes lamentations vont se changer en rire, dans le nom de Jésus. Fais-moi du bien, Saint-Esprit. Fais-moi du bien, Saint-Esprit, en cette journée, dans le nom puissant de Jésus-Christ. J'ai ainsi prié. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Bien-aimé, commence déjà à aimer la vidéo. Aimez déjà la vidéo. Aimez la vidéo. Je vais prier pour la fin. Alléluia. Je vais prier pour la fin. Gloire à Dieu. Merci d'aimer la vidéo. Partagez la vidéo. Vous pouvez aussi donner vos offrandes. Amen. Partagez, aimez. C'est un moyen de dire tout simplement, Seigneur, je me joins à cette prière et je me joins à tous les sujets qui ont été donnés dans cette prière, dans le nom de Jésus. Et je reçois cela avec action de grâce. Gloire à Dieu. Tendre Père, merci pour ce temps de prière. Merci de nous avoir exaucés. Merci Saint-Esprit de nous avoir remplis encore de toi ce matin. Merci Saint-Esprit d'avoir aplani déjà notre journée. Merci Saint-Esprit de nous avoir donné la victoire déjà dès le matin, avant le lever du soleil. Nous te disons merci. Reçois la gloire et la louange. Garde nos cœurs fidèles à toi et fais-nous du bien encore, Saint-Esprit. Garde-nous fidèles à la parole de Dieu. Garde-nous fidèles à la parole de Christ et que nous puissions garder la foi dans le nom de Jésus et que rien ne nous fasse reculer au nom de Jésus. Que nous puissions garder la foi et que ta grâce soit notre partage encore en cette journée dans le nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fasse du bien, que le Seigneur puisse vous visiter en cette journée dans le nom de Jésus. Qu'il change vos lamentations en rire, qu'il change tes lamentations en rire, qu'il change tes pleurs en témoignage dans le nom de Jésus, qu'il change tes douleurs en danse de joie au nom de Jésus et qu'il te fasse du bien parce qu'il est Dieu, parce qu'il est Dieu, parce qu'il est fidèle, il est le Dieu merveilleux, il est le Dieu puissant, il est le Dieu glorieux qui t'aime, qui va te visiter encore en cette journée dans le nom de Jésus. Soyez bénis, marchez dans la victoire. Que chaque pas que vous allez faire en cette journée puisse annoncer votre victoire au nom de Jésus. Que chaque pas que vous allez faire en cette journée puisse annoncer votre victoire, puisse annoncer votre percée, puisse annoncer votre guérison, puisse annoncer votre témoignage dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Au nom puissant de Jésus, que le Seigneur vous bénisse et qu'il garde vos cœurs fidèles à lui, afin que si le Seigneur Jésus revient, que vous puissiez aller avec lui, que vous ne puissiez pas rater l'enlèvement dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour cette merveilleuse journée que tu nous accordes et que toute la gloire te revienne. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous disons trois fois Amen, 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 Amen. Gloire à Dieu. Alors bien-aimés, nous sommes arrivés à la fin. Donc merci d'aimer la vidéo, merci de partager. Ne partez pas si vite, vraiment aimez la vidéo avant de partir, s'il vous plaît. Aimons, aimons, aimons la vidéo. Soyez bénis. Alors, j'aimerais encore relancer cette annonce qui est que nous devons vraiment venir à l'église, même si c'est les vacances, bien-aimés. Pour l'église, on ne prend pas de vacances. Amen. Donc, il faut venir à l'église. Pour les programmes de l'église, nous sommes là les vendredis de 18h à 20h. Nous avons culte de prière et d'enseignement. Et les dimanches, nous, de 11h à 13h30, nous avons le premier culte. Et de 13h30 à 15h30, nous avons le deuxième culte. C'est à Corbeil-Essonnes. Nous sommes au 1 rue Fernand Reynaud, la zone industrielle de la Porte-Paris, 91 100 Corbeil-Essonnes. Il y a des personnes qui disent « Prophétesse, on n'arrive pas à t'avoir au téléphone, c'est difficile. » Si vous voulez me voir, venez juste à l'église. Là, vous êtes sûr, vous n'allez pas me rater. Venez à l'église, vous allez me trouver, je suis toujours là. Donc, venez, rejoignez-nous. Si vous n'avez pas une église attache, la tour de prière semaine peut devenir votre église et il y a de la place pour vous. Il y a de quoi pour vous
de travailler, de servir la cause de Christ, de servir le royaume à la TPS. Il y a la place pour tout le monde. Alors, rejoignez-nous à la TPS au 1 rue Fernand Reynaud, zone industrielle de la Porte-Paris, 91 100 Corbeil-Essonne. Et nous continuons toujours l'opération Maison de prière. Vous pouvez faire un don par PayPal à m.m.deprière@gmail.com. C'est le mail pour faire le don, excusez-moi, pour faire le don par PayPal. Ou encore, vous pouvez aussi faire un don par carte bleue directement dans les lives en direct. Et vous pouvez aussi faire un virement bancaire. Ici, vous avez toutes les coordonnées si vous voulez participer à la maison de prière. Bien aimé, je nous rappelle encore, tant que la maison de prière n'a pas encore vu le jour, il ne faut pas se lasser de donner les offrandes. Il ne faut pas se lasser de donner. Ne dis pas, j'avais déjà donné au mois de novembre, j'avais déjà donné au mois de janvier. Tant que cette maison n'est pas réalisée, alors ne ferme pas tes mains, ne ferme pas tes yeux, ne ferme pas tes oreilles, mais continue jusqu'à ce que la maison de prière va voir le jour. Alléluia. C'est très important. Voilà. David disait qu'il n'allait pas donner sommeil à ses yeux tant qu'il ne voyait pas la maison de Dieu être achevée, tant qu'il ne voyait pas la maison de Dieu se réaliser. Alors, s'il vous plaît, donnons nos offrandes pour que la maison de prière puisse voir le jour. Que le Seigneur vous bénisse. Vous pouvez me joindre aussi sur Facebook. Ma page Facebook, c'est Prophétesse Frida Manzioni. Abonnez-vous sur la page Facebook. Vous pouvez aussi écrire sur Messenger, sur cette page Facebook. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, pour la prière de midi, je ne sais pas si je pourrais être là parce que j'ai un programme. Mais sinon, on aura peut-être une rediffusion. Mais si vous voyez qu'il est midi 30 et qu'il n'y a toujours rien, ça veut dire que la session ne sera pas possible. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse, soyez bénis. Et je vous dis donc, je vous souhaite une excellente journée. Dans la grâce de Dieu, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Ciao, ciao, ciao. Yeah.
Abonnez-vous à notre chaîne YouTube Tour de prière Semeur pour plus d'édification. Que Dieu vous bénisse.